Eh bien, salut les amis, c'est Oxy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Oxymat saison 11. Aujourd'hui, les amis, on va faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire dans le dernier épisode. Et d'ailleurs, j'ai lu vos commentaires et vous avez été énormément à me dire, Oxy, ton armure de manigium, elle est bien. Mais le truc, c'est que je t'en ai pas rendu compte, mais tu t'es loupé, t'as mis de la pierre et en fait, il fallait tout faire en manigium. Je savais pas, excusez-moi, je me suis trompé. Bon, je l'ai refait en hors-cam, histoire qu'on passe tout ce temps-là et tout, qui aurait été un petit peu relou. Donc j'ai recrafté la bonne armure cette fois. Donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. En tout cas, avant que cet épisode commence, je vous invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et ma chaîne secondaire, tout s'affiche à l'écran et dans la description. D'ailleurs les amis, si on pouvait faire 5000 likes, comme d'habitude, puisqu'on les atteint à chaque fois, c'est vraiment trop bien, c'est trop trop bien. N'hésitez pas à liker, hein, ça me ferait très très plaisir. En tout cas, les amis, je suis déjà en jeu et je vous attendais. Regardez-moi cette magnifique armure en manium. Elle est quand même beaucoup plus belle que l'ancienne, hein, puisque regardez, si on va comparer. Oui, je l'ai mis là-bas, l'ancienne. Hop, attention, attention, attention. Ah, il y a quand même une différence, hein. On avait du manium, effectivement, mais c'était pas totalement en manium. Et là, on est beaucoup mieux. Déjà, on a une armure, par exemple le plastron qui donne 24 de défense et la durabilité qui est un petit peu plus élevée. J'ai remis le diamant et pour les bots, j'ai remis la redstone. Hein, comme ça, au moins, on se prend pas la tête. C'est comme si il ne s'était rien passé. Je ne me suis pas trompé. Voilà, c'était une illusion. Tu as oublié. Voilà, bon, petit casse à Star Wars, peut-être que tu n'auras pas compris. En tout cas, peut-être que si. Voilà, bon, du coup, c'est fait. On a la nouvelle armure, la vraie, la bonne armure en manilium. Et d'ailleurs, du manilium, il m'en reste masse. Les gars, je me suis occupé du coup de faire... Regarde, on a un petit papillon chez nous et tout, voilà, tranquille, il fait sa petite vie. Peut-être qu'il va passer là-bas, enfin bref, je sais pas. Donc, du manigium, on en a 52. J'ai tout fait fondre, il me reste un cobalt. Et je suis aussi allé chercher de l'obsidienne, puisque bon, on va en avoir besoin aujourd'hui. Ça d'ailleurs, est-ce que je ferai pas hop, des lingots d'or avec ça? Nickel. Du coup, les amis... Oh, bah tiens, regarde, on peut crafter un petit lingot. Allez, hop, 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 hop. Ouais, c'est parfait, ça. On adore. Ok, 26 d'or. D'ailleurs, le four, en fait, n'était pas bugué, hein, c'est moi qui avais oublié. Mais il me faut, pour le faire fonctionner, de la terre du monde du Darkinium. Donc il faudra qu'on aille très prochainement dans la dimension de Darkinium. En tout cas, les amis, j'ai farmé du coup pas mal d'obsidienne. Hein. J'ai farmé un stack exactement. J'ai très envie de faire ça aussi. Ça, ça pourra nous servir. Mais tu sais quoi, on va le faire. Hein. Il me faut 8 blocs de quartz. Et est-ce que j'ai assez? Ça, c'est la question que je me pose. On va voir. Est-ce que les blocs de quartz se craftent? Ah, yes. Écoute, on va tout faire. 16, voilà. Il faut que je crafte ceci. Il me faut un cuir et un petit peu de fer. Ok. On va prendre du cuir. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. Hein. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Normalement, le fer a fondu. Très bien. Ouais, je suis allé miner du coup. Hein. Voilà. Là, il y a de l'or. Là, il y a du fer. Là, il y a encore du fer. Et là, il y a encore de l'or. Ok, perfect. Ça, c'est nickel. Hop. C'est quoi, j'ai besoin que des 22 là, à vrai dire. Ok, bon, du coup, on va crafter ceci. On va en faire un, déjà, pour commencer. Et on va mettre tout ceci. Ok, très bien. Ce qui nous fait le Gauntlet of Power. Ok, et si on regarde, du coup, dans le livre là, nous pouvons voir que ça, ça nous rajoute Increase Attack Damage. Donc, théoriquement, ça augmente nos dégâts d'attaque. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais les mettre sur... Est-ce que je les mets sur le plastron? Ça se met sur un plastron. Ouais, ça se met sur un plastron. Bon, bah écoute, on va le mettre sur un plastron. Hop, on va enlever notre plastron. On va prendre ça. On va mettre ça. Et, ouh, ça nous rajoute des mains de ouf. Yes, I. Ok. Ah ouais, là, j'ai des gants, mon pote, maintenant. C'est la folie. C'est la folie. Voilà, on les a changés. Maintenant, on fait plus de dégâts. Alors, si on teste... D'ailleurs, tu sais quoi, on va tester les dégâts. J'entends un chien qui grogne autour de chez moi depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, ce chien? Le chien sauvage. Où es-tu? Est-ce que t'es de ce côté? Non, t'es pas là. Mais non! Piti, piti, piti! Le chien! Bon, c'est pas grave, ce sera toi. Ah ouais! Wouh! 19 de dégâts! Really, nigga? Yeah! Ok! Bon, bah ça marche! Nickel! Et bah, c'est parfait. C'est parfait, ça. J'entends encore ce chien, mais je ne le vois pas. Hein. Ah, mais il est peut-être invisible. Ah! Ah! Toi, t'as pas kiffé que je tue ton pote. Aïe. Aïe. Oh non! Pars pas en courant! Ah, il meurt. Woo. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Ça je récupère. Ah mais oui, mais en plus je suis en moi-même. Eh mais oui, je suis en moi-même. Ah, le chien il est par là. Regardez, là, il est ici. Oui, il est là. Il est invisible en plus. Allez, mais meurt. Il est mort. Ok, c'est bon, c'était bel et bien un chien invisible. Ok, très bien. Bon, bah ça c'est fait.
On va pouvoir manger un petit coup, hein, parce que là, j'ai plus beaucoup de vie. On va pouvoir déposer que j'ai récupéré. Voilà, ça aussi, du coup, j'en ai plus besoin. Le quartz non plus. Et ceci, je le mets là, je crois. Ok, parfait. Ça, c'est nickel. Maintenant, on va crafter, mesdames et messieurs, normalement, c'est Rainfall Seed. Voilà, c'est ceci. On va crafter ça. Bon, du coup, il va falloir qu'on en crafte 4. Donc, on va voir quel équipement je peux supprimer. Ça, je peux. Ça, je peux. Ok. Qu'est-ce que je peux supprimer d'autre? À vrai dire, je peux en prendre un au hasard. La lame de la large sword. Voilà, on peut prendre ça. Et maintenant, on va crafter 4 Reinforced. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Ok, ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir renforcer notre petite armure. Alors, si je me mets là, il faut que je me déséquipe de tout. Voilà. Très bien. Et on va faire tac, tac, renforcement. Là, renforcement. Renforcement. Et renforcement. Ok, perfect. Maintenant, notre armure se cassera moins facilement. Et d'ailleurs, ça a changé le skin. Hé, mes gants, ils ont changé. Ok, ils sont blancs et violets, du coup, maintenant. Ok, très bien. Bah écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Hein, on va se cacher. Ça va, c'est plutôt cool. Alors, donc du coup, maintenant qu'on a fait les améliorations que je voulais pour le moment, vu qu'on a pris de full, diamond, powerful et renforced, nous allons pouvoir déjà, dans un premier temps, aller changer de skin, déjà. On va se morph. Ah oui, j'ai trouvé des coffres, quand j'étais dans les grottes en train de miner. Donc, on va dormir, parce que il va falloir qu'on fasse nos champs aujourd'hui. Et après, on va aller faire un donjon. Vous vous rappelez, on avait trouvé un donjon dans le premier épisode d'Oxymode. Eh bien, il va falloir qu'on aille le faire. Mais pour aller le faire, il me faut de la bouffe. Et pour avoir de la bouffe, il me faut des vaches. Et pour avoir des vaches, il faut que je les ramène dans mon enclos. D'ailleurs, ouais, j'avais fait une petite porte ici. Ok, très bien. On va prendre du blé. Un foin. Peu importe le nom que ça porte. Où est-ce que j'ai mis mon blé? Ah ouais. Ok. Le foin. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Hop, on va prendre ça. Et c'est parti. On va aller chercher, du coup, des vaches qu'on va pouvoir ramener chez nous. Ok, bah là, il y en a deux. Bah, c'est nickel. C'est perfect. Il y a des vaches. Des vaches dans le coin. Ah bah là, il y en a d'autres et tout. Ok. Et bah, écoute, c'est parfait. Allez, bah, viens avec moi, ma petite. Il y en a pas mal. Là, il y en a une autre. Ok, très bien. Allez, viens. Toi aussi, ma grande. Viens par ici. Allez. Videz toutes les deux. On va aller chez moi. Vous allez passer un agréable moment, j'y peux vous le garantir. Allez, venez, 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 venez. Petite, petite, petite vache, venez avec moi. J'ai un super endroit à vous montrer. Vous allez adorer. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Oh bah non, attends, restez ici. Restez ici les filles, je vais boucher ce trou avant que vous oubliez dedans. Qu'on se retrouve comme des débiles. Voilà, on va prendre ça. Et on va aller reboucher. Voilà. J'ai cru que la deuxième c'était barré. Voilà, ok. Reviens. Voilà, et toi aussi. Allez, venez toutes les deux. Suivez-moi, suivez-moi. Vous êtes les bienvenus dans votre nouvelle maison. Allez, venez. Venez, venez. Voilà, allez-y. Rentrez, mesdemoiselles. Et ben voilà. Hop, allez-y, faites des bébés. Ici, c'est bouché maintenant. Je me demande si elles peuvent... Est-ce qu'elles peuvent glitch? C'est la question que je me pose. Ah ouais, elles peuvent glitch. Attends, elle va pas me le faire quand même. Comment je pourrais... Bah, je sais comment je vais régler ce problème. Mais j'avais pas envie de couper l'arbre. Mais bon, c'est pas grave. On va devoir le faire. Du coup, on va couper un petit bout d'arbre. Voilà. Et on va mettre une autre barrière à la place. Est-ce que j'ai une barrière dans le coin? Je crois que j'en ai en plus des barrières. Peut-être pas, finalement. Ah, si. Voilà. Hop, il m'en faut une. C'est très bien, ça. On va couper cette bûche. Voilà. Et on va mettre une barrière. Ok, voilà, comme ça, personne ne sort d'ici. Très bien. Ok, bon, bah ça c'est parfait. Bon, c'est un petit enclos, hein. Vraiment petit enclos. Il va peut-être falloir qu'on les grandisse un petit peu par la suite. Bah bon, pour l'instant, c'est très très bien comme ça. Remarque, je pourrais les... Oh, on pourrait faire un enclos un peu stylé qui part sous terre. Y a moyen qu'on fasse un truc sympa. Bon, pour l'instant, on a que deux vaches, on va les laisser comme ça, tranquillou. Mais elles sont pas accouplées, d'ailleurs. Ah si, il y a un petit bébé. Y'a un bébé. Ok, nickel. Vu que là pour l'instant je suis pas en capacité... Eh ben remarque aussi, je suis en capacité de me nourrir de viande de vache. J'ai qu'à aller tuer les vaches en surplus qu'on avait vu il y a deux secondes. On va aller check ça. Salut le chien. Et où est-ce qu'elles sont? J'ai vu des petites vaches tout à l'heure. Allez, là y en a une. Viens là ma grande. Voilà. Ouh, comment je l'ai dégommée. Ok, elle m'a pas donné de viande. Si, elle m'a donné de la viande. Parfait. Allez, toi aussi. Voilà. Toi. C'est un one shot. Très bien.
Ouh là là, qu'est-ce qui a fait mal notre épée? C'est fou. Allez. Allez, toi aussi. On en a combien? 7. On va prendre un petit. Eh ben, il y en a d'autres. Oh, il y a même un bébé. Trop mignon. Ah. Ah. Ok, parfait. Perfect. Très bien. Bon, je vais éviter de toutes les exterminer. Toi et ton bébé, je vous laisse. Comme ça, vous pourrez vivre paisiblement. De toute façon, j'ai déjà un steak. Ça me suffit amplement. En plus, on a 43 niveaux. Vraiment, ça va être la folie. Plus tard, pour des enchantements. Genre une bonne pioche en diamant. Ça pourrait être sympa. L'arc, d'ailleurs, j'aimerais bien trouver un moyen de lui mettre infinite. Mais le truc, c'est qu'on peut pas l'enchanter théoriquement. J'ai pas encore fait de table d'enchantement, il va falloir qu'on teste. Mais dans la théorie, de ce que je sais, on peut pas enchanter les objets du coup du mode Tinker Construct. Donc on verra par la suite ce que ça va donner, si je peux finalement enchanter ou pas. Ok, oh, en tout cas il me reste ça comme bouffe. Et on peut me crafter un petit peu de pain. Ah, les 30 que j'ai là, on peut largement se crafter du pain. Voilà, et puis la viande va cuire. Ok, bah écoutez les amis, du coup il me reste plus qu'à prendre des flèches. Il me semble qu'on en avait d'autres. D'ailleurs j'ai eu des graines de melon, on va pouvoir planter des melons, ça va être sympa. Alors où est-ce que j'ai mis ça? J'avais des flèches normalement, il me semble bien que j'en avais quelque part. Je les ai peut-être toutes utilisées, hein. J'avais ça pour en crafter, mais j'ai plus de plumes, si j'en ai 12. Ok, j'avais pas déjà crafté des flèches? Ah mais non, c'est vrai, oui non, je les avais pas craftées. Parce que j'en avais déjà un bon stock. Ok, c'est bon, je viens de me souvenir. Ok, bon, bah on va faire 12. Hop, très bien. Tac, ça, ça. Et voilà, 50 flèches, c'est parfait. Tac, on va remettre ça ici. Et écoutez, c'est nickel, on va... Tu sortiras pas, mon pote. C'est hors de question, je te le dis direct. Voilà. Hein, là, il y a personne qui sort d'ici. Là, voilà, c'est bon, on peut plus glitch, c'est parfait, ça m'arrange. Ah ouais, non. Ah ouais, non, non, non. Ne sortez pas de là. Moi, je vous le dis direct. J'ai bien cru que la petite vache allait partir. Il faut juste un petit bloc comme ça et ça bloque tout le jeu. C'est marrant. Bon, du coup. Oh, tiens, j'ai une pomme. C'est bah oui, c'est parfait. On va aller, mesdames et messieurs, à l'endroit du donjon. Et oui, ça y est, enfin, on va pouvoir explorer ça. J'ai pas de torche. J'ai pas de torche, on va rentrer à la maison. Désolé pour tous ceux qui étaient hype et qui se sont dit ok, ça y est, c'est bon, il va commencer le donjon. Enfin, c'est le truc qui m'intéressait. Non, attends un petit peu, s'il te plaît, je crafte des torches et on est good. Ok, c'est bon. On va mettre ça. On va mettre ça. Là. Voilà, très bien. Okay. Allez, c'est parti. U, donjon, téléporte. Ok, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer l'exploration de ce donjon. Alors, histoire que ça soit marrant quand même, je vais pas rester en moi-même. Voilà, hein, on va. J'aimerais bien que s'il y a des mobs, ils m'agressent, tu vois. Que ça soit un petit peu marrant. Ok. Là, il y a un spawner. Je vais pas casser. Ok. Ah. Un petit peu trop d'étoiles d'araignée. J'aurais dû réparer mon épée avant de partir là-dedans. Ça, c'est pas grave, je me téléporterai. Ok. Oh, c'est trop. On fait bizarrement comme donjon. Ok, bonjour! Bonjour, bonjour! Je viens juste explorer un petit peu. C'est une sorte de labyrinthe gigantesque. C'est un truc de ouf, c'est quoi ce endroit? Ouais, ok, y'a rien, cul-de-sac. What the hell? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, je pense qu'il faut que je descende. Allez, descendons. Ah! Oh là là! Elle m'a fait flipper celle-là! Ok, je peux me transformer en araignée maintenant. Et elle m'a mis le poison. Ça s'est passé. Ok, cassons ça. J'entends vraiment les mobs, mais je les vois pas. Ça, c'est stressant aussi. Ok, je sais pas pourquoi il y a des minerais comme ça et tout. C'est vraiment pour nous ralentir. Ok, rien là. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Eh, mais. C'est une torche que j'ai. Ok, là on peut remonter. Non, moi je veux descendre. Je veux continuer de descendre. Moi j'entends des mobs, je veux les voir. Je veux voir tous ces mobs. Oh, très belle pièce. Très sympa tout ça. Ok. Plutôt là, je pense. Ah, je vois les. Oh là là. Salut mon pote. Ouais, vous êtes beaucoup là-dedans. Hey. Salut. Y'a combien de spawners à l'intérieur? Voilà. Ok. Y'a pas de loot à l'intérieur de ce donjon? C'est juste une structure avec des mobs? Ah, d'autres zombies. Ça m'intéresse quand y'a du zombard comme ça.
Allez. Mourez tous. Si. Ça, tu veux pas. Hein. Allez, ok. Oh, le petit bébé là. Aïe. Allez, restez bloqué. Aïe. Aussi. Meurs, meurs, meurs. Ok. Wouh. Ok, ok. Bon, c'est plutôt simple comme donjon, étant donné qu'on a du bon stuff maintenant. Ok, ok. Aïe. Oh, genre, tu. Oh, genre, mec. T'as pas le droit de me taper comme ça. Ah, bah, moi aussi, je peux. Non, il prend des dégâts tout seul. Okay. D'ailleurs, faudrait que je vois hein, mon épée, ça serait marrant de lui mettre des nouveaux effets, genre fire par exemple. Oh oui, j'avoue que ça pourrait être intéressant de mettre fire sur l'épée. Oh, pardon, j'ai creusé dans le donjon. C'était pas voulu. J'ai pas fait exprès. C'est promis. Oh, attends, vous êtes combien là-dedans là? Ah, oulala, oulala, il a speed. Lui. Zombie avec speed, c'est rarement marrant. Oh, il y avait une tête de zombie. Je vais récupérer, je crois. Ah, est-ce que j'ai une quête qui dit que je dois buter des zombies? Ah! Meurs! Mais il a Wither et tout lui. Ah! Aïe! Meurs! Ah! Ah! Ouais! Mais c'est l'apocalypse! Mais barrez-vous! Mais wesh! Tu viens d'où toi? Ah, je sais d'où tu viens, mais. Wesh! J'ai plus de vie. Faut que je mange. Eh, moi qui est en mode ouais, c'est bizarre comme donjon, c'est un peu facile. Why? Mais beaucoup trop de zombies! Ok. Bon. Ça va? Je suis tranquille. Pourquoi il montait? Pourquoi il venait de là? Oh là là. Aïe. Ah là là, c'est un truc de ouf. Ah. Non. Non. Oui. Je l'ai eu. Non, derrière moi. Wouah, c'est dur. Wouah, j'ai failli break mon épée. Bon bah je suis content d'être mort du coup. Wouah. Wouah, c'est quoi ce bordel? Attends. Préparons l'épée. Voilà, ça déjà, c'est un bon point. Deux têtes de zombies par contre, ça c'est stylé. Ok, allez, on reprend. Attends, une torche qui éclaire pas. Ok. Je redescends. Oh là là, ça s'arrête jamais, c'est un dégât. Oh là là! Allez, laissez-moi passer! J'ai jamais tué autant de zombies de toute ma vie! Oh! Ouh là là! Ouh là là! Meurs toi aussi! Ah! Mais 150! Ça s'arrête jamais, c'est fou! Attends, c'est moi ou il est reparti? Wesh! Il est parti chercher ses potes, lui. Oh là là. Cassez-vous. Bon, eh, attends, je crois qu'il... Oh là là. Il faut que je rush. Il faut que je rush là-dedans. Allez, dégagez. Voilà, déjà ça. Allez, mourez. J'espère que je vais taper plus vite que vous. Ah, ah. What the hell. Mais what the hell. C'est quoi ce délire? Quoi ce délire? Faut déjà que je répare mon armure. C'est fou. C'est what the fuck. Beaucoup trop de mobs. Et par contre, les armures, elles ont aucune résistance. Ça, ça m'énerve. J'aimerais bien qu'elles résistent un peu plus, quoi. Je peux pas les réparer tous les trois mobs. On va voir, je peux laisser ça là, je m'en fous. Hop, ok. Allez, donjon. On y retourne. Ah, quand même, j'aimerais bien buter ces mobs. Je suis mort là-bas. Plusieurs fois d'affilée. Oh là, ça commence. On va éviter de prendre des coups.
Ok. Ah, lui, il a speed. Aïe. Oh là là! C'est stressant! Aïe! Y'a un zombie invisible! Ouais, c'est bon, il est mort. Oh là là! Mais laissez-moi passer! Y'a combien de spawners là-dedans? Et j'arrive pas à passer, c'est fou! C'est fou! Ok. C'est un peu plus calme. Ça, c'est good. Je suis pas mort, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai un cœur bonus. Ça, c'est cool. Allez. Ça. Ah, poison. Non. Oh, ils sont coincés là-dedans. Non, toi tu meurs. Clair et net. Ah mais non, mais ça arrive de partout, c'est dingue. Ah, les bébés zombies, c'est un truc de ouf à tuer. Oh là là. Oh non, je suis coincé. Ah ! C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Allez, meurs. Ouah, mais c'est quoi cette invasion de zombies? Allez, mais laissez-moi venir. Ok, il y a un autre qui arrive. Tu passeras pas, mon pote. C'est mort, là. Toi aussi. Waouh. Ok. Ça, c'est moi qui ai placé, visiblement. Ok. Du coup, on va continuer par là. Pourquoi je me suis embourbé dans ce truc? Allez. Non, je me veux pas. Poison, fuck. Ok. Ouais. C'était 50 au-dessus. Ah non. Wouah, ce délire. Et mon épée a encore failli break. Heureusement que je suis mort au bon moment. Wouah, la pression de fou que ça met. C'est incroyable. Mais je me demande s'il y a vraiment quelque chose dans ce donjon, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Je vais aller à ma last death. Je m'en doutais qu'il y en avait une au-dessus. Toujours regarder au-dessus, du coup. Je les ai à force, elle. Tout ça pour un cul-de-sac! Oh là là! C'est tellement dur comme donjon! Alors. Bon, on va tenter notre chance par là. Dans ce donjon labyrinthe, hein, d'ailleurs. Ok, rien ici. Le nombre de zombies qu'il y a, vous les entendez ou pas? C'est un. Ah, c'est n'importe quoi, c'est un grand débat. C'est abusé. Si on monte par là, qu'est-ce qui se passe? Oh, une jarre! Yes! Oh, ok, c'était le mode pyramide plunder qui a généré cette structure. Ok, c'est bon, les zombies pas compus. Allez, mourrez. Elle est vraiment bien cette épée, par contre, c'est trop cool.
Attends, mais je suis revenu au début. Ok. Ok, ok. Donc tout ça, c'est pour trouver des plunders. Ok. Maintenant, on sait pourquoi on est là. Yes, name tag. Charbon. Cobalt, j'en fous. Ça, je sais pas c'est quoi, je vais le prendre. Hop, on va poser la diorite. Ah yes, ça y est, j'ai trouvé quand même un truc qui fait que c'est cool d'être là. Et ça, ok. Et il y a une torche, donc j'y suis déjà allé. Et une araignée. Et il y a un autre mob derrière, moi. Allez, meurs. Ah. Oh, c'est quoi ce truc de ouf? Allez, mourez. Mourez. Voilà. Ah! C'est pas possible. C'est un carnage. Allez, meurs. Wow. Toi aussi. Ok. Ok. Bon, tout va bien. On s'en sort. Faut que je mange là. J'avais cru entendre une araignée qui me chargeait. Il n'y a rien. Là. Deux minerais. Et... ah. Rien du tout. Ok. Bah écoutez, je crois que du coup on a fait une bonne place. Bah je crois qu'on a fait tout le donjon. On a exploré chaque recoin. Ça on a fait. Ah non, on a pas tout exploré. Ok, allez toi, en plus lui la force. Toi tu vas mourir vite, je te le dis. Ah, salut! Waouh, vous êtes combien là-dedans? Attendez, je vous tue vite fait! Allez! Waouh, salut les gars! Bah alors! C'est quoi? C'est vous êtes un peu trop là! Tout va plutôt bien. En soi, ça va. L'armure, ça va. Ok. Ici. Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Ok, on remonte, on redescend. Ça s'arrête jamais. Ok. Rien de spé. Ok, rien non plus. Très bien. Et là. Rien non plus. Ah mais ok, j'avais pas vu ma minimap en fait. Il y a... c'est la minimap du donjon. J'avais pas fait gaffe. Je peux voir les zones qui ont pas été explorées. Ok, bah je crois que tout est... ah non, il y a la partie là-bas qui est pas encore éclairée. Alors, on va aller voir ça. Il reste une partie du donjon qui est sombre. Voilà, c'est par ici. On va crafter des torches. J'entends des bruits. Ok. Dernière partie du donjon, du labyrinthe à explorer. Tous par là. Là, ici, du coup. Ok. J'ai grave la pression les gars. C'est un truc de ouf. Ok, pas d'autres mobs. Ah, là-bas. Ok, pas au-dessus.
Ça, c'est cool. Ok, cul-de-sac. Waouh, punaise. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment dur. Ok, là, on est dans les dernières pièces. Voilà. Et ici, ça va être un cul-de-sac. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, du coup, faut juste que j'aille là. Ici. Ok, allez. Là, on est sur... Eh bah, on a fait une bonne partie du jeu, là. Donc là... Ici. Ah, ici. Ok. Voilà. Et bah écoutez, je crois que ça y est. On a bien exploré le donjon. Salut les gars! Ça va ou quoi? Allez, venez par là. Oh, j'ai mon épée qui va péter. Allez, maison. C'est parfait, de toute façon, on a très très bien exploré tout ça. Ok, bon, réparons l'épée. Voilà. Waouh! Ce genre de bordel. 11 têtes de zombies, les gars. 11 têtes de zombies. Comment mon épée, elle loot de ouf. Il va être temps qu'on aille farmer les withers. Moi, je vous le dis, il va être temps. Je vais vider mon inventaire, on se retrouve juste après. Comme ça, ça sera fait. Alors, du coup, dans ce que j'ai loot, il y a eu un petit peu d'or. Ça, c'est très cool. Voilà, on va pouvoir crafter un petit lingot. Tac. Et on a eu un livre. So hot. Where did our desire go? Où est-ce que tu vas décider d'aller? When did we lose the affinity? Ok. Bon, c'était pas ouf ça. Et on a eu une urne. Une urne qui est beaucoup trop stylée. Hop, on va la mettre là. C'est notre... Oh, en plus, on peut stocker des trucs dedans. Et ben, je vais mettre mon name tag dedans. Ah, c'est trop cool. Ah, bah, je suis trop content d'avoir trouvé ça. Bon, on va mettre ce livre en souvenir du donjon. Ok, très bien. Alors, du coup, j'aimerais tester un truc. C'est d'aller dans le Nether vite fait et de voir si on arrive à looter assez facilement ou pas des têtes de Wither. Moi j'ai bien envie de voir, du coup vu le stuff qu'on a, je pense qu'on peut se permettre de s'amuser un petit peu. J'aimerais bien savoir où j'ai mis mon blé. Mon blé, hier. Je vais en prendre deux et je vais faire s'écouper les vaches en deux spi. Voilà, mesdemoiselles, n'hésitez pas à faire des bébés. Voilà. Allez, allons voir ici, dans le Nether, ce qu'il va se passer. Ça va être un truc de ouf, moi je te le dis. Alors. Bonjour. Je suis moi-même, Oxylac. Donjon. Hop, c'est vrai que j'en avais trouvé un en faisant du hors-cam. Alors, je le vois. Ah, il est là. Putain, il fait super sombre là. Je suis en brightness au max là. Oula. Des petits lags avec la TP. Ok, bon, bah, il va falloir que je monte pour voir ce que nous avons là-haut. Ok. Alors. Est-ce que dans le coin, on aurait du wither? Mais je vois rien du tout, c'est un truc de ouf. Je ne vois rien. Là, je peux passer par là. Allez, rentrons dans le donjon par là. Mais c'est abusé de rien voir comme ça, là. Comment ça se fait? Oh, il faut de la night vision, là, c'est pas possible. Attends, je vais même pas un... Oh, yes. Reservoir, je prends... Ça nous servira, je pense, pour des enchantements, ça. Voilà. Ok, je vois un petit peu mieux avec les torches, quand même. Mais c'est toujours pas ça. Ok, un coffre, un blaze. Les blazes, faudrait que j'en tue un petit peu. J'ai pas de blaze powder. J'en aurais besoin. Ok, ça, c'est très très cool, aussi. J'ai un briquet sur moi? Ouais, j'ai un briquet. Ok. Dommage que j'ai pas pris plus de torches. Je suis un petit peu débile, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Pas de wither. Ah! Oh! Et bah, c'est très cool ça! Perfect! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, j'ai encore une torche. J'ai plus de torche. Ok. Bon, je vais essayer de trouver un wither, je m'en retrouve juste après. Ok, les gars, alors déjà, on a un premier blaze. On va pouvoir éliminer. Qu'est-ce que tu m'ajoutes? Pas de blaze powder. Mais par contre, on a l'escalier ici pour monter voir nos petits potes. Alors, ouais, je viens de regrafter des torches. Je suis repassé à la maison. Allez, viens là.
de la blaze powder. Enfin, des blaze road, pardon. Wow. Vous êtes très haut, vous. Ah, Wither Squelette. Ah non, c'est des archers. Ok, ils vont se tirer dessus, c'est nickel. Aïe. Ça, c'est un pigmen invisible. Ok. Bon, ça, c'est fait. Wow, c'est compliqué, hein. On a du mal à voir et tout. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça, mais quand il pleut dans le vrai monde, il y a une pluie de feu dans le Nether. C'est ultra stylé. Bon, je trouve pas de Wither. J'aimerais bien en avoir un, quoi. Juste un Wither. Quoi, est-ce la mer à boire. Et bah, j'ai trouvé un Wither, les gars. Et il m'a fait tomber bien bas. Allez, viens là. Meurs, je veux ta tête. Et bah j'ai pas eu sa tête. Bon, c'est qu'un pourcentage de chance qu'on a de loot. Regardez, j'étais en train de monter et il était juste en haut en fait, il m'a poussé. Y'a pas un autre? Non, il y a du blaze par contre. Oh, lui il m'a vu. Oh, ok. Bon, bah écoutez les amis, je suis rentré. C'est pas grave, les têtes de Wither c'est pas un truc primordial. J'avais juste envie de voir si en tuant un Wither on arriverait à avoir une tête. Mais bon, ce n'est pas le cas, mais peut-être pour une prochaine fois. Hein. Nos équipements ont bien pris cher aujourd'hui, on les a réparés plusieurs fois. C'était fou! C'était fou! En tout cas, j'ai grave kiffé cet épisode. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Comme tous les épisodes de d'habitude. En tout cas, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode d'Oxymod. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et ma chaîne secondaire. Tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien allez, salut à tous, c'était Oxy. Salut tout le monde!